Oui, bonjour à tous. Alors, avant de répondre à vos questions, je vous indique que toutes les semaines, maintenant, je répondrai à vos questions. Donc, si vous le souhaitez, posez-moi des questions, j'y répondrai, j'y répondrai la semaine prochaine. Bon, en avant. J'aimerais vous demander d'aller voter. D'aller voter. Vous savez, je reviens, moi, de pays entre guillemets démocratiques, vraiment entre guillemets. Et je m'aperçois qu'ils sont pris complètement entre les blocs. Les blocs chinois, les blocs états-uniens, et qu'ils n'arrivent pas, qu'ils n'arrivent pas à s'en dépêtrer. Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aimerais savoir à propos de la guerre en Ukraine pourquoi, pourquoi les chaînes de télévision françaises, en particulier LCI, ne sont pas dans la réalité des faits. Et aussi pourquoi nos grands généraux et experts qui viennent sur les plateaux ne peuvent pas reconnaître les percées russes, ne veulent pas reconnaître, et sa puissance militaire. Alors, moi je dois vous dire... Euh, que des chaînes comme LCI ou même des chaînes comme France 2, etc., etc., ne reconnaissent pas la réalité des faits. Dans des conflits, ça date pas d'hier. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, un envoyé spécial. Envoyé spécial m'avait commandé, m'avait commandé un sujet sur une section serbe. Qui allait autour de Sarajevo, et je me rappelle très bien, les responsables d'envoyés spécial, après avoir vu mon reportage, m'avaient dit Mais c'est un reportage génial, mais il faut que tu changes ton commentaire. Il dit Pardon Oui, il faut que tu changes ton commentaire. Ton commentaire est trop pro-serbe. Non, mon commentaire n'est pas trop pro-serbe. Il est simplement l'expression de ce que j'ai vécu pendant une trentaine de jours avec ces jeunes gens et on me dit mais écoute Philippe si tu veux vendre ton reportage à envoyé spécial il faut que tu changes ton commentaire je dis halte là je ne changerai pas mon commentaire et d'autre part je le vendrai à une autre chaîne que, chose que j'ai fait parce que à ce moment-là j'avais une boîte de production donc voyez-vous cela ne date pas d'aujourd'hui. On canalise l'opinion, c'est complètement effrayant. Et ça ne date vraiment pas d'aujourd'hui. Alors, si ce qui, de, ce qui est maintenant de plus en plus flagrant, ce sont les commentaires en plateau, oui, faits par nos grands généraux, comme vous dites. Mais ils sont ridicules, ils sont complètement ridicules. Ils se contredisent, mais tout le temps, tout le temps. D'une euh, séquence à une autre, ils se contredisent. Mais ce n'est pas grave, ils sont en direct. Personne ne va voir ce qu'ils disent deux semaines avant. Non. Alors pourquoi ils font ça parce que la tendance gouvernementale est maintenant pro-Ukraine. Mais demain, les gens au pouvoir seraient pro-russes. Ça changerait. C'est fou. Hein Et c'est ça qu'on appelle le journalisme. Alors, je trouve ça fou. Pourrait-on tenir la France à une guerre de haute intensité face à la Russie. Et pendant combien de temps Oui, non, non on ne pourrait pas tenir à une guerre de haute intensité, absolument pas, parce que figurez-vous qu'en déploiement rapide, on pourrait mettre entre 20 000 et 25 000 hommes sur le terrain des troupes d'élite comme les parachutistes, comme la Légion étrangère. Et ensuite, nous n'aurions presque plus rien. Et en plus, en munitions, je crois que nous avons 15 jours de munitions devant nous. Vous voyez vraiment, ce n'est pas beaucoup. Non, nous ne pourrions pas tenir. Nous avons encore, encore un moyen d'arrêter vraiment toutes ces bêtises en Ukraine, toutes ces horreurs en Ukraine, en allant voter. Je souhaiterais savoir quelle est l'ampleur des manifestations, ou prétendues manifestations organisées contre la mobilisation forcée en Ukraine. Écoutez, moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Enfin, je, ne sais pas, je ne connais pas l'ampleur exacte de ces manifestations. Mais pourquoi des manifestations contre la guerre et contre la mobilisation, mais moi je trouve ça tout à fait normal, les Ukrainiens, les Ukrainiens ne voient pas comment s'en sortir. Moi je trouve ça tout à fait normal. Alors l'ampleur l'ampleur de ces manifestations, ça je veux dire je n'en sais rien. Je n'en sais rien, je n'ai pas accès à, à d'autres canaux que vous. Et donc, ça me paraît difficile difficile de savoir exactement ce qu'il en est. enfin, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que m. zelensky devrait maintenant penser aux élections, puisque il n'est plus à sa place. maintenant, il faut remettre son pouvoir en lice, chose qu'il ne fait pas. Bonjour, pensez-vous qu'un jour l'Inde deviendra une superpuissance ou devra-t-elle faire face à ses divisions historiques, ethniques et religieuses Comme l'a subi le Sri Lanka il y a quelques années. Non, moi je ne crois pas. Je crois que l'Inde va devenir vraiment une. et d'ailleurs est une superpuissance. Enfin. L'Inde est hindoue, est hindouiste. Ce sont des hindouistes qui sont au pouvoir. Les hindouistes représentent plus de 80%, 80% des gens vivant en Inde. Donc les religions ne représentent absolument rien ou presque. Alors évidemment, moi je suis allé au Gujarat au moment des massacres des musulmans au Gujarat. Ça a été terrible, mais je ne crois pas que l'Inde puisse avoir un problème avec, en tout cas, les religions. Alors, au niveau des castes, je crois qu'également, l'Inde commence à se rénover complètement. Donc, les castes commencent à disparaître, et donc, l'Inde vraiment devient un pays moderne. Voilà, en plus l'Inde s'enrichit en, en vendant le pétrole le pétrole russe à l'Occident. Voilà et puis, ils sont vraiment vraiment de plus en plus en pointe en pointe. Bientôt ce sera la deuxième puissance au monde. Alors, j'ai une question. Ne pensez-vous pas que les BRICS sont voués à l'échec dû à, à ces différents économiques et territoriaux Exemple Russie, Chine, en Asie centrale, et puis, et puis euh, la Chine, euh, Chine, Cachemire. Qu'est-ce que vous en pensez bah, Moi, je pense, je pense vraiment que les BRICS. Euh, c'est uniquement une alliance économique. Et donc, en tant qu'alliance économique, ben, ils vont faire avec. Oui, ils ont des, des problèmes territoriaux entre eux. Exemple, l'Inde, la Chine, la Chine et la Russie aussi. Mais ça ne va pas les empêcher de travailler ensemble. Loin de là. En plus... Ils ont un ennemi commun, l'Occident. Ils en ont marre, ils en ont assez. L'Occident a voulu leur imposer trop de choses. C'est fini, c'est fini. Donc là, eh bien, mon Dieu, ils vont s'allier contre nous. Alors, bonjour, monsieur Buffon. Euh, la présence de nickel en Nouvelle-Calédonie explique-t-elle les événements actuels alors, franchement, je crois qu'en effet, la présence de nickel à haute dose en Nouvelle-Calédonie explique évidemment beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'également la position de la France, la position de la France face à la Russie et à la Chine explique également beaucoup de choses. Il est évident que la Chine regarde la Nouvelle-Calédonie avec envie. Il est évident que la Russie a intérêt, a intérêt évidemment à déstabiliser la France actuellement, puisque la France est devenue un ennemi. Donc, il est évident que notre position géopolitique. Eh bien, n'arrange pas les choses. Et puis, la présence de ce nickel bon, est très, très intéressante pour beaucoup. Alors, une question sur la guerre en Birmanie. Pensez-vous qu'il s'agit de la fin du régime birman avec le recul de l'armée birmane Écoutez, Vraiment, j'en sais rien, mais moi j'ai une réflexion à vous donner. Le recul de l'armée birmane, certes, mais j'ai toujours connu moi, en tout cas, avec quelques périodes de paix, mais j'ai toujours connu la Birmanie en guerre, avec les Karen, avec les Shan, etc., etc. Les Shan voulaient vendre leur opium, que les Birmanes voulaient. Et ils voulaient vendre leur opium donc à la Thaïlande. Thaïlande qui après apportait l'opium à Marseille. Et donc il y avait une guerre entre les Chans et l'armée chan et les Birmans. Quant aux Karen, ben, ils se sont toujours battus, toujours, toujours battus contre le pouvoir central. Je vous rappelle que les Karen sont chrétiens et que bon, ils ont été de tout temps mis de côté par le pouvoir central. Je ne sais pas. Je, franchement, je ne sais pas exactement où en sont les positions de l'armée Birmane, mais moi, je n'y crois pas à la défaite de l'armée Birmane. Et puis. Ça fait tant de temps, vraiment, qu'ils sont en guerre. Alors, une question. Bonjour Philippe Buffon. N'est-il pas compliqué de conjuguer la vie de famille avec la vie de reporter de guerre Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu compliqué. C'est même vraiment compliqué. Car vous revenez de terrains de guerre qui vous ont pris qui vous ont dégoûté de beaucoup de choses. Et vous arrivez, vous arrivez dans une petite vie de famille bien tranquille. Et vous continuez, vous continuez à penser aux horreurs que vous avez eues. Et oui, c'est difficile de faire la part des choses. Et donc, bon, vous plongez toute votre famille dans un stress. Où vraiment elle, elle ne peut absolument rien. Et donc c'est très très compliqué, c'est vrai. Bon, enfin, on s'en sort quand même. Ah oui, une question, euh, une question sur la chaîne. Bonjour Philippe, juste une question. Pourquoi mettre tout en double sur YouTube Ah ben c'est simple. C'est simple. En effet, j'ai deux chaînes. Mais la première chaîne bon, est une chaîne qui a, je crois, 75 000 ou 76 000 abonnés. L'autre, 20 000 ou 25 000 abonnés. Alors, pourquoi deux chaînes Parce que la première chaîne, celle qui avait 75 000 abonnés, a été mise en veille par YouTube. Et donc j'en ai créé une autre. Et finalement, et finalement, je diffuse sur les deux chaînes. Parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais. Vous savez, maintenant, je fais très, très attention à tous ces réseaux sociaux. Voilà. Car la censure va s'abattre à mon avis. Et en cas de censure, eh bien, il faut avoir deux ou moins de chaînes. Bon, eh bien, écoutez, euh, c'est tout. Je ne vois pas d'autres euh, questions. C'est dommage, c'est dommage. Alors n'oubliez pas, pas de me poser des questions pour la semaine prochaine. Merci à tous. À très bientôt.